Coucou tout le monde. Oui. On est lundi et il est 14h14. Touche ton nez. Je pars ramener Camille chez ma soeur Vanessa. Elle va l'aider à débarrasser son appartement. Non, je me fais pas tatouer, j'ai eu trop peur, j'ai amélié. Je me suis chié dessus. Son tatouage, c'est que à 16h30. Bah, ça fait chier parce que en plus t'as payé un acompte. Ouais, mais ton accord est. T'as la roue, avec des traces de. Des boyaux ressortent. Merci. Alors, du coup, elle va pas rester longtemps, elle va rester une heure et demie. C'est lui qui est là. Pas au tatouage. Non. Une heure et demie de tatouage, on va se calmer. Une heure et demie là, chez ma soeur, et après, j'irai la récupérer, comme ça, pour pouvoir aller. C'est la tatoueuse. C'est la tatoueuse. Je vais me faire tatouer. J'essaierai de filmer si je peux. Non, je vais faire exprès. Je vais dire, madame, mettez-vous bien devant moi. Pour voir comment ma tête. Non, le tatouage, je pense que ça va durer... 20 minutes. Elle a prévu un rendez-vous de 30 minutes, là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que j'avais regardé sur son truc. Parce qu'il y en a, ils prenaient des rendez-vous, genre elle mettait ses disponibilités. Il me semblait qu'il y avait lundi 16h30. Du coup, je regarde et ça va, elle a dit plus dispo. Si on arrive à 10 là-bas, c'est écrit lundi. Ouais, c'est comme ça que c'est demain. Elle lundi 16h30, entre guillemets, c'est écrit 30 minutes. Ah. Ouais, c'est demain, bah, j'y vais pas, je vais pas. 30 minutes, elle a prévu. Après, le temps que. Elle prévoit le temps que j'arrive. Le temps qu'on s'installe, le temps qu'elle me fait mon truc. Après moi tout. Pendant 30 minutes, tu vas souffrir. Non, je vais pas me faire tatouer pendant 30 minutes. Non, 20 minutes, ouais. 20 minutes, oui. 20 minutes, c'est bien. Il fait quand même chaud aujourd'hui, mais il y a beaucoup de vent. Ben, ça m'a dit, tu vas en faire un, tu vas vouloir en faire plein après. Et j'ai dit, non, mais t'inquiète, j'en ai déjà dans ma tête alors que j'ai même pas fait le premier. Non, pour l'instant, déjà, t'es jeune. Je laisse faire quand même le premier parce que c'est rigolo. Ouais, mais parce que c'est pas un tatouage de mien. Mais après, faut pas abuser non plus. Ah, les petits. Ouais, faut pas croire, de toute façon, je vais en faire un et toutes les semaines, je vais en faire un autre. Non. Ça va aller. Déjà, ça coûte cher. Les petits au sport. Croisement de tracteur. J'avais l'air d'avoir. On aurait dit Léa, la copine de ma mère. Ils sont petits là. On aurait dit, je te jure, on aurait dit elle sa tête, mais je pense pas vu comment ils sont petits. Christophe, il bricole encore dans la cour. Il essaye de faire une. Une descente au niveau des marches pour Elsa, mais Elsa n'ose pas marcher dessus. Ah, c'est plus pour l'aider à remonter, mais elle n'ose pas aller dessus pour l'instant. Elle n'est pas descendue dans la cour. Il faudrait voir quand elle descend si elle va dessus pour remonter. Quoi. Sinon, Christophe leur lève pas tout. La tasse que j'avais personnalisée, puis je vais l'emballer du coup pour Alex, et comme ça en revenant de la tatoueuse, j'irai avec Christophe déposer le colis et on va passer à Leclerc.
Parce qu'il faut du ketchup. Il faut du ketchup et... Est-ce qu'il me fallait autre chose? Je sais plus. Je sais plus. Ah, tu veux que je t'annonce un truc? Je t'annonce un truc? Ou pas? En vidéo. Je sais pas, tu couperas au pire. Tu te lances? Dada, ils sont parmi. Genre, il a déjà eu les résultats. Oui. Il a passé quand? Ce matin. Ah, tu sais, il le sait déjà. Ouais. Normalement, tu le reçois que le lendemain ou. Ah non, en fait, sa monitrice, elle lui a dit. En fait, il a envoyé un message à sa monitrice, il a dit j'ai calé deux fois au début. Il a dit est-ce que c'est éliminatoire? Elle a dit non. Il a dit du coup, pour toi, je l'ai. Elle m'a dit oui. Elle a dit oui. Et là, il a été à l'auto-école pour voir s'il doit récupérer un papier ou quoi. Alors, elle lui a dit normalement, je peux pas le dire et tout, tu vas recevoir un papier. Il a dit ouais, mais c'est juste pour. Parce que mon père, il voulait que je vienne voir pour je sais plus quoi. Bref. Elle a dit t'as juste à regarder mon message. Et sur son message, elle a écrit oui. Donc, c'est qui là? De toute façon, tu l'aurais su parce que. Roland a mis une story. Je suis obligée de le couper. Il le saute. J'espère qu'il va le comprendre. Bon, voilà, j'ai déposé Camille du coup. D'habitude j'attends qu'elle rentre, mais là, je voulais pas gêner la voiture. Dis-moi dès que c'est bon que t'es en haut. Bon voilà, du coup ce matin de base je devais vous prendre déjà dès le petit déjeuner. Mais je vous ai pas pris parce que ça va, j'ai été saoulée direct en me levant en fait. On a reçu notre facture EDF et ça m'a gonflé. Je vous avais dit que j'avais déjà eu un problème avec eux là, qui m'avait réclamé, vous rappelez là, plus de 2 000 € pour 9 mois. Je me suis battue et tout parce que pour moi c'était pas normal et tout, j'ai dû les payer. Et bon après c'est tout le monde, hein. Je pense qu'il y a des grosses factures, mais bon. Moi je trouve que c'est abusé quoi. Et là du coup on a eu encore 2 000 € pour un an. Bon, heureusement je donne quand même de l'argent tous les mois, hein. Je donne 150 € tous les mois. Je pense que c'est 150. Ouais. Tous les mois. Donc là il me réclame 250 de différence quoi. Heureusement qu'il n'y a pas 2 000 € à payer quoi, mais ça me saoule parce qu'on donne déjà beaucoup. Et du coup à partir de novembre, il nous augmente à 200 € par mois. Juste l'électricité, hein. Parce qu'après il faut savoir qu'il y a le gaz, 120 € par mois, 150 pour l'eau. En fait, vous calculez tout ça, ça me fait 4 000 € l'année. Quoi. 4 000 € l'année juste pour électricité, gaz et eau. Quoi. Bon, après, je pense pas que je suis la seule à payer autant, mais c'est saoulant. C'est souvent quand on doit rajouter comme ça, bref, donc la facture elle m'avait énervé d'entrée et après j'ai vu que mon poisson il était mort, poisson jaune, donc, ça fait mal au cœur, hein. Ça me fait mal au cœur, je vais vous dire le contraire, je vous ai mis un poste pour vous prévenir parce que voilà, vous saviez qu'il avait été malade plusieurs fois, après il allait mieux et tout, donc je vous ai mis un poste, il y en a une là, je viens de voir son commentaire, elle m'a gonflé aussi celle-là. Elle a mis des bonhommes morts de rire. Alors si tu passes par là, toi ça te fait peut-être rire parce que peut-être t'as pas de cœur en fait. Apparemment t'as pas de cœur du tout. Alors, tu vas peut-être me répondre c'est juste un poisson, mais pour moi c'est mon animal, voilà, c'est un animal, il fait partie de la famille, hein, et voilà. Et puis moi je suis quelqu'un qui a un petit cœur. Donc voilà. Mais bref, si toi ça te fait rien et que ça te fait même rire, eh ben... T'es très basse, hein, je te le dis. Enfin bref, voilà, donc du coup je vous ai rien filmé.
Bon, là, je vous prends seulement. Je vais faire le colis avec vous. Comme ça, je vais profiter pour vous montrer la tasse que j'ai personnalisée. Bon, du coup, elle est déjà vendue. Donc, on va préparer le colis ensemble. Comme je vous ai dit, c'est Alex qui l'a acheté. Donc, c'est celle qui avait acheté la tasse Stitch. Et c'est une abonnée. Je ne savais pas qu'elle était abonnée, en fait. Et du coup, là, elle a pris la tasse Halloween. Je vais vous la montrer. Et comme ça, après, je vais aller lui envoyer. Et je vais passer à Leclerc. Mais après, la tatoueuse, quoi. Parce que Christophe, il n'a pas le droit de sortir avant 16h. Et de toute façon, comme ça, là, j'aurai le temps de préparer tout ça. Hier, je vous ai dit, j'ai mis beaucoup de choses à donner, tout ça. Mais j'ai demandé d'abord à ma famille. Donc, il y a énormément de choses que ma famille elle a pris de la cuisine. Il me reste des trucs à mettre sur mon groupe de dons, j'ai pas fini. Bon là j'ai même pas encore été donné à la ressourcerie. Mais bon j'ai donné pas mal de dons à des personnes. Donc voilà. Je préfère faire plaisir et c'est mieux quoi. Plutôt que de bah, jeter. Après c'est pas à la ressourcerie, c'est pas jeter parce que eux après ils mettent en vente un petit prix, mais je préfère faire plaisir et donner à des personnes. Après tout ce qui part pot qui intéresse personne, bah, forcément je vais aller mettre là-bas et puis ils se débrouilleront avec quoi. Voilà. Sinon en résine j'avais testé une lettre, je vous avais dit franchement, enfin j'ai testé deux lettres, je sais plus si je vous l'ai dit, j'avais fait un dé, le dé est trop beau. Par contre j'ai fait un i avec des feuilles d'or, j'aime moins. Donc là on va peut-être passer à action, chercher vous savez du papier poncé, parce qu'il faut plusieurs grains pour bien poncer la résine en fait. Donc on va peut-être aller chercher ça avec Christophe, comme ça je pourrais, après il pourra me faire le trou avec la tâche du porte-clés, puis comme ça je vous le montrerai, et je le mettrai peut-être sur une tête, du coup on verra. Walou, j'ai fait tomber un truc de ma poche, je crois, parce que j'ai entendu claquer, donc je vais regarder. Je crois que j'ai fait tomber un truc de ma poche. Bon, il faudra que je surveille l'heure quand même pour que je récupère Camille vers 15h45. Mon stylo de ma poche. Bon allez les amis, je rentre à la maison et je vous reprends pour voir le colis. Bon, je suis installée. J'étais en train de chercher un carton, mais en fait j'ai trouvé un carton, ça rentrait pas et là ça va être tout juste. Mais je vais bien protéger. J'ai pas le choix parce que j'ai pas d'autres cartons en fait. Je vais vous montrer du coup la tasse que j'avais fait. Et que j'avais mis du coup en vente sur Vinted. Du coup, regardez, c'est des princesses avec écrit Happy Halloween. Avec tous les princesses. Princesse Halloween, c'est ça? Ouais. Elle est trop belle. Reine des neiges. Du coup, je vais mettre dedans des sucettes pour les enfants d'Alexandra. Alexandra. Elle m'a dit qu'elle avait 5 enfants, mais. Le dernier, c'est un bébé de 10 mois, donc on va pas mettre de sucette pour le dernier, mais j'espère que ça lui fera plaisir pour les autres petits. Hop. Je vais bien. Là, je vais mettre quand même du papier comme d'habitude, même si c'est dans le carton. Parce que moi, j'ai toujours peur que ça s'abîme. Je vais me dire. Est-ce que ça fait un petit peu dense, hein? Les bulles? Ouais. Tu sais que sur YouTube, j'ai mis quand on avait perdu notre poisson, il y en a une, elle a mis des bonhommes morts de rire. Parce qu'elle est contente, ça la fait rire. C'est encore une méchante. Sérieux? Bah ouais, il y a toujours des méchants, hein, qui n'ont pas de cœur. Ouais, des animaux. J'ai pas de cœur pour les animaux. Voilà. Les abonnés, si vous avez des cœurs. Tu peux aller me chercher dans le carton qui est à côté de la porte, chérie? Il y a des, t'as vu, des morceaux de prospectus. Pas des bulles, hein, mais des morceaux de prospectus. T'en prends un peu. Va... Pas dans celui-là, chérie, dans le carton à la porte, carrément.
Du coup, je vous ai montré et je vais bien le caler pour pas qu'il s'abîme. J'espère qu'ils vont pas me la casser. Vraiment, ça sera protégé avec les bulles et ça pourra pas bouger. Bon, on entend juste les sucettes. Peut-être si elle fait ça, elle va croire que c'est cassé. Ouais, regarde, il y a des prospectus dedans. Tu vois tous les papiers là, du journal. Ouais, bien le mettre là. Fais attention de pas te faire mal. C'était là pour toi. C'était là pour toi, ma fille. Merci. Je vais récupérer des vieilles tubes pour caler. Comme ça. Ça s'abîmera pas. Voilà. C'est vraiment. C'est abîmé. C'est vraiment de la faute du transporteur. Hein, parce que. J'aurais peut-être dû. Après, les sucettes, ils vont pas casser la tasse. Hein. Je préfère mettre une tonne de papier et que je sois sûre que ça arrive en bon état. J'espère qu'ils vont faire attention. Parce qu'ils font jamais attention de toute façon. Bon, on va essayer de fermer le carton. J'aurais peut-être dû les mettre à part. Vous savez pourquoi que ça a gling gling. Je vais recommencer. Je vais recommencer, tant pis. J'ai pas envie que ça gling dans la tasse. Elle est protégée dans le carton. Et du coup, les sucettes, je vais les mettre. Moi, je vais les poser au-dessus, je crois. Comment j'avais fait? J'avais emballé ça au-dessus. Attends. J'emballe la boîte. Donc, franchement, si mon colis arrive cassé, je comprends pas. Si vous allez voir, mais du coup j'ai placé les sucettes autour. Du coup mon poisson il s'ennuie un petit peu, on dirait qu'il cherche en fait, je sais pas. Ouais, qu'il cherche un petit peu. Il cherche son copain à mon avis. Faut que je t'aide. Bah, j'essaye de le fermer. Je peux pas y arriver. J'ai mis le papier. Ouais. J'avais pas mis encore une fleur avant tout. Non, t'as pas la fleur. Faut pas bouger. Hein. J'espère qu'ils font attention. Je vais écrire fragile. Comme ça. Je vais écrire fragile, au moins ça évitera peut-être qu'il le claque. Ce scotch il m'énerve dans l'autre sens pour pas que ça s'ouvre. Ah ouais, toi tu l'as pas.
coffre, j'en mets plein, mais au moins. Je suis sûre qu'il tient. R1. Bah oui. Mmh. I, je fais juste le bâton. Mmh. Avec les pages de bon, voilà. J'espère que c'est plus le. Non, ça va, c'est écarté. Mon colis, il est prêt. Il n'est pas droit du tout, mais c'est pas grave. On s'en fout. Il est super bien. Ça tient, c'est le principal. Bon, le colis est prêt. On travaille un petit peu là pendant avant que je vais chercher Camille. Ouais. Au pire, on travaillera après. Bon allez, c'est parti. On y va, on y va, on y va. Oui, aujourd'hui c'est du français. Du français, yeah. Donc là, complète ses lignes d'écriture selon les modèles. D'accord. C'est pour bien t'entraîner, faire bien les lettres. Comme d'habitude. Tu devrais le laisser par terre parce que ça va tomber. Je vais le ranger après. Ouais, laisse-le par terre ou pas le carton. Sous les œufs. Et dans le carton. C'est de bien faire comme eux sur la ligne. Comme ça? Non, mais le rond il est pas sur la ligne. Ah, faut le aussi sur le rond. Ouais, vas-y, essaye. Tu fais le rond sur la ligne et après tu montes et t'as vu, tu avais ça jusqu'à la ligne. Voilà, parfait. Il est bon, un petit peu plus haut, mais ça va. Un peu plus haut le trilo. Ouais. Ouais, juste il faut coller maintenant. Quoi? Et maintenant il faut juste bien le coller. T'as vu? Vas-y, vas-y. Refais-en un. Perfect. Hein. Un beau rond. Et du coup. Il est jusqu'à là. Ouais, bah tu vois quand tu veux. Là il est parfait. Ouais. Alors est-ce que maintenant les D majuscules ça va être pareil? Ouais, j'ai fait que ça pendant l'instant comme exercice. C'est quand même un petit peu chenal, non? On descend. Ah, tu commences par le fond. Donc, je veux. Moi, je serais toi, j'aurais pas commencé par là. Pourquoi? Parce que regarde, vas-y, fais-le. Ah, c'est lourd. Alors, regarde, t'as vu? Un stylo ou un crayon gris? Regarde, moi je serais toi, je commencerai comme ça, regarde. Ah, tu vois pas? Là, tu vois comme ça? Tu me vois là comme ça? Regarde, moi je commencerai comme ça. Je descendrai, je viens faire ma boucle, je redescends sur la ligne, je remonte et je fais hop. T'as vu? Ah, il est parfait! Moi je commence. Bon. On va aller prendre rendez-vous pour des lunettes. Proportionnalité. Non, mais c'est la lumière et elle me fait mal. Je... Alors, on va aller voir pour des lunettes, peut-être que tu vas devoir en mettre. Donc là, on a 10 douzièmes. Donc, ça ferait combien de sixièmes? 6. T'es sûr? Oui. Si tu as 10 sur 12, là, 12, 6, c'est la moitié. Donc là, en haut, ça serait la moitié de 10. Donc ça? Voilà, ça ferait 5 sixièmes. 5 sixièmes, t'es là, 10 douzièmes. Pour 4 unièmes? Ouais, donc 4 sur 1. Ça ferait combien sur 4? Deux. Ça ferait, là ça fait ça fois 4. Donc ça fois 4. Tu vois, à chaque fois, il faut juste regarder. 8. Non, pas 8. Si, ça fois 4. Une fois 4. 4. 4 fois 4. C'est parfait! Maman, il est parfait! Non, mais je ne sais pas. 16. Ouais. Ouais, c'est un peu mieux, mais sur la... essaye de faire le dernier bien sur la ligne. Ouais, et là, tu vois, pareil. Là, c'est 2 fois combien pour avoir 8? 2 fois 4. 2 fois 4, donc là il faut que ce soit
ça divisé par 4, du coup. En fait. Je ne pensais pas que c'était une chose. Mais parfait! En fait, tu aurais un chiffre x 4, ça ferait 6. Donc j'enlève le x 4. Et du coup, ils ont mis ça, mais c'est un virgule. Donc, c'est nul. Parce qu'en fait, 6 la moitié, c'est quoi? 3. Et 3 la moitié, c'est quoi? 6. Non, la moitié de 3, du coup. Un virgule 5. Ouais. Donc en fait, c'est ça. C'est un virgule 5. Tu vois? Parfait. Ah, voilà, il est beau, lui. Maintenant, pour t'écrire une fois ou deux. C'est écrit quoi? Faut que je te fasse dicter ou quoi? Là, EN ça fait quoi? EN ça fait 1. Donc là, là. Le T est muet. La dent. La dent de lait aussi. Du coup, là c'est pareil, t'as ça pour combien? Voilà. Donc en haut c'est 2. Un 2? Bah ouais. Ah, tu fais ça. Non, divisé. Ouais, c'est que le mot tu sais. Divisé par 1. C'est ça. C'est une tuerie. Ça va? Bon, Camille va faire le nettoyage. Ah non, j'ai trop mal. Arrête, ils vont vraiment y croire. Ah non, j'ai trop mal. Ils vont dire ça avec un palpé. Parce que t'as que 16 ans. La meuf, elle a pas eu mal au tatou, mais elle a mal au scotch, oui. Bah, peut-être. Ah, hein. Oh, c'est beaucoup moins rouge que tout à l'heure, ouais. Ouais. C'est trop beau. J'adore. Ah, oh, c'est dégueulasse. C'est beau. Wesh.
tu vois, c'est il est beau, il est fin, il est vraiment bien fait. Tu nettoies avec ça, du coup? Tu avec prends un... Elle a pas dit un... Non, juste de l'eau savonneuse. Non, sinon, quand on toilette, ça fait mal. Ouais, de l'eau savonneuse. Mais avec les gants. Et ouais, la crème avec les gants aussi. Bah, ouais. Donc, de l'eau et un peu de gel douche. Je vois pas ce que je fais. Lui? Ouais. C'est le beau, lui, au moins? C'est lui, ouais. Il y a rien dedans. Il y en a pas un autre de Cadom, non? Je voyais ouf. Après, n'importe quel gel douche, hein. Même là, le Marseillais. Oui, c'est parce qu'il faut pas. Apparemment, c'est écrit qu'il faut un gel douche qui agresse pas la peau. Un gel douche. Ah, c'est pour ça que le Cadom, c'était bien. Ah, oui. Sans savon. Mais il y en a peut-être encore dedans. Oui, mais j'ai peur que c'est pas du Cadom. Bah, si, parce que celui de papa, le produit est là-bas. Donc, c'est obligé que c'est du Cadom. Il y en avait qu'un? Ah oui. Il y en a plus. Ah, bah voilà. Parce que je suis sur le tatouage. Ouais, mais il voit plus là-bas. Ah, j'ai trop mal. Tout. C'est pour nettoyer. On dirait que t'es tout crâne autour, ça fait un gros blanc. Ah ouais, ah. On dirait que je me suis pas lavé pendant 3 semaines. T'as vu? Ça fait un gros blanc, on dirait que t'es crâne. Après, par contre, pour rincer le cul avec le gant, c'est chiant. Ou genre, il aurait fallu prendre genre une... Bah, j'allais dire une compresse mouillée, mais nous, c'est des compresses sèches, c'est pas la peine. Non, il aurait fallu... Même un coton. Du coup, tu vois, après, les disques réutilisables, peut-être. Comme genre, les trucs pour me démaquiller. Ouais, ou le truc démaquillant. Ouais, ton truc vert, là. Il est où, moi, le mien? Ça aurait été mieux. C'est bon. Attends, je vais le chercher. Je vais le chercher. Regarde la tête. Chouchou, pendant ce temps-là, il pense. Il fait une muse sur le papier. Il travaille. Ah. Il y a 8 tours. Ça, c'est doux, au moins. Ouais, c'est ça. De toute façon, au pire, je m'en fous. Tous les jours, là, tu l'utilises pour te frotter. Et après, voilà, on le lave de toute façon. Puis ça sèche vite, ça. Et puis même, c'est du savon, c'est pas du... Ouais, voilà. Et après, la crème, tu la rinces pas, donc... Mais c'est plus doux pour te frotter quand même. Ouais, c'est trop doux. C'est mieux. Il faut... T'as peur que à chaque fois, ça s'efface, ouais. Ça, bah, ça fait, peut pas s'en aller. Ça, c'est un faux, avec les gants, en plus. Ah. Là, tu sens le relief du coup, quoi. Ouais, vite fait avec le gant. Ouais, avec le gant, mais. Ouais, on sent. T'as appris ça, c'est un faux. On sent le C. Oh, ça m'a piqué là. Ah, faut pas trop doucer. Ça, c'est un faux. Faut pas trop appuyer. Là, tu laisses comme ça. Si t'as séché, tamponne en fait. Frotte pas. Il y a un peu de savon du coup. Ouais, mais frotte pas, tu tamponnes. J'adore. Putain, le prochain, c'est là, un 13. Ou avec toi. Ça y est, on va vouloir en faire 50. Non, c'est trop beau. Et après, tu mets une petite couche de. La meuf va être tatouée de la tête au pied. Faut pas en faire trop, ça va faire moche. Après, il y en a, ça leur va bien. Tu sais où je vais faire mes gosses? Mais faut pas en faire trop. Hein? Parle déjà de ces gosses, ça n'en a pas non, encore. Mais tu sais où je vais me tatouer mes gosses? Mon cul, parce qu'ils vont me faire chier. Ça, je le laisse le passage, je suis obligée. Steph va rigoler. Il n'y a pas Steph. Que Steph qui va rigoler. Tu le diras en privé, Steph, avant les autres. Elle est privilégiée. On a acheté une crème. Ouais, elle a pris une crème à la tatouage. Hein. Crème tatou, vegan. Crème sans parfum. Alors, au moins, elle a payé 6 euros, mais au moins, c'est sûr. Puis, c'est mieux. Je vais garder assez longtemps quand même. Mais alors pas une tonne, hein, parce que ça, à mon avis, il faut vraiment pas mettre beaucoup. Ouais, tu vois, ça fait le même aspect, genre que la vaseline et tout. C'est encore gras, mais là, c'est parce que c'est une crème quand même. C'est une crème exprès. C'est une crème exprès, la vaseline, c'est pas fait exprès. Une crème, comment elle a dit? Réparatrice. Ouais. Bah, puis elle sait ce qu'elle vend. Bah, c'est la même qu'elle utilise, elle a dit. Peut-être pas mis assez là. Ouais. Je sais pas, j'en ai trop. Après, au moins, ça protège, t'as une couche comme ça. Mais je crois que la vaseline, je vais en garder genre... Regarde, t'as un point noir.
Tu as vu? C'est de l'encre. Ah, je pense. Il s'enlève. Imagine le gel, c'est sans doigt. Ah, c'est là où il s'enlignera plus jamais de ta vie. Hein. Non, t'inquiète, j'ai bien senti l'aiguille dans ma peau. Bah, puis il s'enlignera plus. Hein. C'est pour ça que faire un tatouage, il faut être sûr et faut pas faire n'importe quoi. Après, là, j'ai pas fait n'importe quoi. Ah non. Mais ça me stresse, j'ai l'impression que c'est à l'envers, maman. J'ai l'impression que j'essaye à l'envers. Pourquoi t'as, t'as attrapé une plaque là? T'as vu? J'ai l'impression que le C est à l'envers. Bah non, c'est il est stressant. Pas à l'envers. T'imagines, je fais ça. Ah, regarde, il est pas à l'envers. Bah non, mais même en photo, il paraît à l'envers. En vidéo, tu vas le voir, il est à l'endroit. Mais il paraît à l'envers aussi. Parce en que photo, tu filmes de l'autre côté, toi. Parce que je filme comme ça, ouais. Tu filmes de l'autre. Pourquoi ça se retourne? Moi, quand je me filme face cam, quand je fais voir un truc, regarde, tu vois, comme là, je fais voir ça, il est à l'envers, mais eux, ils vont le voir à l'endroit. Donc toi, le tatouage, si je fais ça, ils vont le voir à l'endroit. Moi, c'est ça qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de régler. Et c'est à l'endroit quand même. Bah, je pense que c'est bon. Du coup, là, mais ça couche de crème. Mais la vaseline, là, je pense que je vais la garder. Tu vois, si je dois m'exposer au soleil ou quoi, je vais mettre ça plus de la crème solaire, la vaseline. Parce qu'elle a dit, un corps gras, ça sert tout souvent. T'as attrapé une plaque bizarre aussi. Je vais en prendre ça tout le temps. Bah, oui. Parce que même quand il va au soleil, la plupart après, c'est beaucoup moins rouge que tout à l'heure, c'est normal. La plupart des gens, ils mettent pas de crème ou quoi. En plus, tu dis à tatouage en commun avec moi. Oui. Déjà, faut qu'ils soient au même endroit. Oui. Il faut que ce soit le même dessin. Oui. Enfin, aucun rapport. Oui. Un tout petit. Oui. Il faut des discrets, c'est mieux. Je vais faire un cœur aussi, là. Je vais faire des petits. Un petit cœur. Elle va vouloir 50 000 tatouages. Mais c'est des petits. Ah, mais bon. Non, mais. Là, même un petit comme ça, 30 euros, à chaque fois, ça coûte cher. Ouais, mais j'ai pas dit. Bah, après, tu le regrettes pas, parce que tu l'auras toute ta vie. Mon Noël. Ah ouais, bah après, si tu feras ce que tu veux. Hein. Là, pour l'instant, j'étais ok pour le premier. Mais bah, si c'est avec toi, tu vas être ok. Bah, reviens. Même si t'as que 16 ans et demi, j'étais ok parce que je sais que c'est pas une connerie. Enfin, c'est pour ta soeur, donc voilà. Avec papa, tu sais ce que je vais faire? Je sais plus, on l'avait dit que c'était pour Chloé. Je sais pas. Avec papa, tu sais ce que je vais faire? Les cerises. Je sais plus si vous l'avez dit que c'était pour Chloé, du coup. Bon, après, on peut croire que c'est pour elle, hein, Camille. Ou pour mon père, mais non. C'est pour, Mais c'est pour Chloé. Ouais. Bon, après, nous, on le sait, quoi. C'est le plus important. Il y en a plein, à mon avis, qui vont la voir, ils vont croire que c'est pour elle. Ça se voit que c'est un C. Non, mais les gens, ils vont croire que tu l'as fait pour ça toi. Ça se voit que c'est un C. Ouais. La tatoueuse, elle m'a demandé, elle m'a dit, c'est bien assez. J'ai dit, bah oui. Et je sais plus c'est qui, elle m'a dit, on dirait un L. Peut-être en photo, on aurait dû un L sur l'ancien. Un petit L comme ça, mais on voit quand même que c'est un C. Dans ces cas-là, tu pourrais dire qu'en minuscule, c'est un petit L, et tu pourrais dire dans ces cas-là, en minuscule, c'est un petit B. Ou même un E, regarde. Maintenant, c'est un côté gars. Ça se voit là que c'est un C. En plus, elle a bien insisté, tu vois, sur la partie là, tu vois, du C. Donc, bon, allez. Je sais pas si mon nom, elle dit pas. Du coup, ben, je vous l'ai fait voir tout à l'heure, mais. Il s'ennuie un petit peu, il est tout seul. J'aime trop mon tatouage. Il est trop beau. J'ai donné à manger au loulou. Oh bah, les machins ils sont déjà cuits, on va mettre seulement les pâtes. Oh. Attendez. Ne tombez pas. Tu vois, à l'anniversaire que j'ai invité là. Que l'anniversaire à Dodo que j'ai invité. Ouais. Je vais mettre ma robe là. Toi, la robe noire avec le truc comme ça. Du coup, je vais mettre à l'envers pour qu'on voit ma tataille. De toute façon, la robe, elle se met déjà ça. C'est vrai? Ouais, mais j'ai vu qu'à l'intérieur, il y avait une étiquette à gauche. Je sais pas quelle page c'est. Mais... Ah, il y avait une étiquette à l'intérieur d'un côté. Oh, bon. Mais c'est sur le côté, non, c'est sur la côté gauche. Je vais mettre le côté, c'est en face. Je vais mettre à l'envers pour qu'on voit mon tatouage et pour pas que ça s'appuie dessus. Je me rends pas compte que c'est un vrai. En fait, je me rends pas compte que c'est un vrai. Hein? Non, pas contre, je crois que c'est un vrai. Genre demain, je vais l'avoir. Je ne sais pas si. Hein. Dis. Là, par contre, c'est bien, mais c'est bon. Non, mais il y a un déco. Bah, tout sauf des coquillettes. Hein. Ah, j'adore. C'est super lisse. Si je t'en donne un, tu peux le faire. Tu peux limer si je t'en donne un. Ah, ça c'est des bulles. C'est roulant, il y en a fait un, mais je n'ai pas limé derrière. C'est des bulles. Ouais, mais derrière, les couilles. Là aussi, derrière, il y a une bulle qui a... Regarde. Un mois. Ça, c'est des bulles aussi. Je crois qu'en fait,
T'as vu, il a pris une claque. Non, mais tu le sens moins. Je crois. Ah, je crois, en fait, je me rends pas compte que c'est un vrai. Recoucou. Il est pas tard, il est 22h33. Je viens de finir toute ma cuisine, vaisselle, passer le balai, tout nettoyer pour le travail, le gaz, etc. Voilà, la cuisine est toute faite. J'ai nettoyé un coup ma table de salle à manger aussi. Et je vais mettre mon pyjama et m'installer. Alors, il est pas tard, tant mieux. Je vais peut-être pouvoir regarder quelques vidéos ou faire un montage ou quoi. Et puis, si je pouvais dormir plus tôt, ça serait cool. Ça, je suis moins sûre. Mais après, je suis fatiguée parce que cette nuit, j'ai pas dormi avant. Enfin, je me suis endormie, réveillée. Et vraiment endormie par avant 4h du matin. 4h30. Parce que j'avais trop chaud et tout. Franchement, c'était horrible. Bref. Donc là, je vous ai pris plusieurs fois dans la voiture. Au salon de tatouage. Après, bah, Camille, quand elle a nettoyé tout ça. Donc, comme je vous ai déjà dit dans l'autre vidéo, je ne veux pas de critiques sur les tatouages, sinon je supprime ou je vous bloque. Tout simplement, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Donc, ma fille, elle a peut-être que 16 ans et demi, mais voilà, elle tenait à faire ce tatouage pour sa soeur, pour Chloé. Et j'étais. Voilà, je suis d'accord, donc elle l'a fait. Et voilà. Ensuite, Camille vous a annoncé pour Dodo qu'il a eu son permis. Donc voilà, très bonne nouvelle parce que ce matin, comme je vous ai dit, ça n'allait pas trop entre la grosse facture après mon poisson. Voilà, donc c'était mon amour. Et là, mon poisson rouge, je m'inquiète quand même parce que il va trop bien, hein, il va super bien. Mais il fait que monter, descendre. On dirait qu'il s'énerve et qu'il cherche, en fait. Je sais pas. C'est bizarre. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai eu un commentaire avec des bonhommes morts de rire sur mon post. Tout ça parce que peut-être c'est un poisson. Donc, peut-être que ça vous fait rire parce que j'écris que je suis triste pour un poisson. Ben oui, c'est mon poisson. Donc, oui, j'ai mal au cœur. C'est voilà. Toi, si t'as pas de cœur, ben écoute, voilà. Là, j'ai eu un commentaire sur mon retour de course. Par contre, celui-là, il m'a même pas énervé, il m'a fait rire. Elle a écrit « Va laver tes sols grasseuses ». Donc, je pense qu'elle voulait écrire « crasseuse », mais quand tu sais pas écrire, déjà, tu viens pas me critiquer. Ouvre un dictionnaire et viens me critiquer après, go. Hein? Bon, je pense pas qu'elle va passer par là, parce qu'elle est peut-être juste tombée comme ça sur le retour de course, puis elle avait envie de faire chier le monde, quoi. Mais bon, quand on sait pas écrire, on critique pas les gens. Voilà. Bref. Et du coup, on a été, je vous ai dit, après le tatouage. Ah non, Kimi, tu vas pas recommencer. Non, laisse-moi finir, ma fille. Après le tatouage à Camille, on est rentré. On est parti avec Christophe à Leclerc. Il nous fallait juste du ketchup que j'avais oublié en course. Et il n'y a plus rien en ketchup. Là, j'ai dû prendre la marque Heiss, là, Heiss, je sais pas quoi, là. Désolée, je sais pas le dire. À plus de 2€ le ketchup, quoi. Mais bon, il n'y avait que celui-là. Donc, je me suis dit, tant pis, j'en prends un quand même. Et Mathieu, il avait redemandé son camembert. Donc, je lui ai pris 2 camemberts. C'est tout ce qu'on a acheté, donc je vous ai pas montré. De là, on est parti à Action pour acheter le papier, genre le papier à poncer. Là, je vous ai fait voir, Christophe est en train de faire les porte-clés en résine parce qu'il faut les poncer pour que les bords soient bien lisses et tout. Et pardon. Et on a déposé mon colis au tabac. La tasse pour Alex. Voilà, je l'ai déposé. J'espère qu'il faut faire attention. J'ai écrit fragile partout. Mon amour. Petit cœur. Elle aime trop. Elle fait des repères les câlins le soir. Hier matin, elle était venue sans moi. Elle s'était installée. Elle ne voulait pas me laisser me lever. Mon amour. Oh oui, ma petit cœur. Bon, donc journée qui avait, on va dire, commencé, qui m'avait bien énervé du matin, et voilà, j'étais pas dans mon assiette.
Kimi, tu peux te pousser, je vois rien du tout, mon amour. Je vois rien du tout, mon cœur. Je vais vous prendre parce qu'elle va éteindre. Ouais, donc, mais bon, il fallait faire la journée quand même. Hein, donc, Camille a vu son rendez-vous, il fallait aller au magasin, déposer le colis. On a travaillé avec Alex et Mel. Voilà. Et là, j'ai fait toute ma cuisine, comme je vous ai dit, comme ça, c'est fait. Voilà. Bon. Sinon, j'espère que vous, vous allez bien. Mayayo, j'attends du coup ton message, mais je pense que ça sera que dans quelques jours. Parce que tu m'as dit que tu m'enverrais un message dès que tu as vu le médecin. Kimi, laisse-la. Donc, n'hésite pas, Mayayo, à m'envoyer un message. Parce que moi, du coup, je peux pas te joindre. En fait, si toi, tu m'as pas envoyé un premier message, je peux pas te... J'arrive pas à te joindre. Christian, si tu passes par là, je suis pas sûre que tu puisses passer par là parce que tu m'as dit que tu pouvais pas regarder les vidéos. J'espère que bah, quand tu verras cette vidéo, du coup, tu iras beaucoup mieux. J'attends tes nouvelles, du coup. Hein. Voilà. Ma Véro, c'est pareil. Hein. J'espère que tu vas mieux. Je t'envoie pas de message parce que je veux pas non plus t'embêter tous les jours, mais je pense fort à toi. J'espère que tu vas mieux. Et puis voilà, hein, écoutez. Après tout le monde, hein, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes pas malades, que. Voilà. Vous allez bien. Prendre soin de vous surtout. J'ai des croûtes. Ça, c'est une griffe de chat qui m'a fait des croûtes. Ouais. Il y a des jours comme ça où on en a jusqu'à là. Il y a toujours quelque chose qui vient se rajouter et c'est chiant. Il y a des fois, on a envie de tout lâcher, tout laisser tomber et ça saoule. Ça saoule. On n'a plus envie de rien, mais bon, après, comme on dit toujours, il y a pire. Mais c'est chiant. Voilà. Mon amour, c'est trop belle, bien. Ce qui est mon cœur. C'est belle, mon bébé. Bon, du coup, je vous avais dit que Christophe avait comme une rampe pour Elsa. Mais elle a pas voulu aller dans la cour. En fait, de base, elle voulait pas aller sur la rampe pour descendre. Donc, il a fait un système pour la relever pour pas qu'elle gêne. Avec des crochets et tout, il a bien fait. Je vous ferai voir quand même, peut-être. Et on voulait essayer de la faire descendre dans la cour pour voir si elle allait remonter sur la rampe. En fait, elle a pas voulu du tout y aller. Là, on était les sortir avec Chouchou. Donc, enfin, j'ai fait à manger. Donc, j'ai fait. Je vous ai filmé. Des pâtes avec des cordons bleus. Après, on était sortir les filles, moi et Chouchou. Et puis, Mathieu avait installé nos lits. Et puis, voilà. Et puis, Chouchou, là, il s'est mis un film. Et moi, j'ai fait toute la cuisine. Walou. Oh. Je suis fatiguée. Faut que j'essaie de dormir quand même plus tôt parce que je suis fatiguée. Ce matin, Mel... pas du tout de mal à se réveiller, j'ai même pas eu besoin de la réveiller, elle s'est réveillée toute seule. Christophe avait préparé le petit déjeuner avant qu'on se lève, c'est lui qui avait préparé la table. Et au moment où on allait aller déjeuner, c'est là que j'ai vu pour mon poisson. Du coup, donc voilà, ça m'avait coupé un peu l'appétit, mais bon, on mange tous ensemble, donc voilà. Et Mel, elle s'est réveillée toute seule, avec le sourire, de bonne humeur. Franchement, génial. Alexis, lui, était déjà en bas quand je me suis réveillée. Il était déjà descendu. Et Mathieu et Camille, après, ils n'ont pas eu de mal à se réveiller. Bah, Camille, quand je l'appelais, je pense qu'elle soit venait déjà de se réveiller, soit elle était très bonne humeur aussi. Enfin, voilà. Je vous ai dit que tout à l'heure, elle avait été chez ma soeur. Et... parce que ma soeur, elle doit trier ses affaires. Il y avait aussi... une cousine à Camille, on va dire. C'est pas une cousine à Camille, c'est la cousine à ma soeur, en fait, si vous voulez. C'est compliqué. Bref, c'est une cousine qui était là aussi. Et elle a récupéré beaucoup, apparemment aussi. Et Camille, elle a récupéré une boule de bain. Elle a récupéré quoi? À récupérer, je vous montrerai, c'est un spray avec un sachet, c'est pour faire soi-même son savon, je sais pas quoi.
Elle m'a pas tout montré, donc au pire, je lui dirai qu'elle vous montre demain. Après, je crois qu'elle a récupéré un blush, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Et après, elle a récupéré quoi, du coup? Je sais plus. Bah, ma soeur, elle lui avait donné. Parce que ma soeur, elle avait fait des tatouages, donc elle avait acheté un pot de vaseline pour mettre sur le tatouage. Donc elle lui avait donné, parce qu'elle a dit pour l'instant, j'ai pas de tatouage de prévu, donc comme ça, tu pourras en mettre. Mais je vous dis, en fait, on a demandé à la tatoueuse, et elle nous a pas forcé à l'acheter. Hein. Mais elle nous a expliqué que la vaseline, bah, c'était un corps gras. Voilà. Mais ça, c'est corps gras et crème réparatrice. Donc comme Camille a une peau fragile, en plus vegan, tout ça, donc c'est super. Dedans, c'est écrit, voilà, crème sans parfum et tout, donc c'est cool. Nettoyer la peau avec le savon liquide, ultra doux, rincer, sécher, appliquer la crème tatou matin, midi et soir en fine couche, en massant légèrement. Crème sans parfum. Donc voilà. Et du coup, bah, on a préféré l'acheter à 6€, comme ça on est sûr que c'est mieux comme crème pour cicatriser son tatouage. Bon allez, je vais vous laisser, je vais mettre mon pigeon et je vais aller m'installer. Je peux me mettre mon pigeon parce qu'elle s'est allongée dessus. J'ai dit ok. Waouh. Oh, et toi même temps. Allez. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je ne veux pas de critiques dans les commentaires, sinon ça dégage. Comme je vous ai dit, si ça plaît pas, vous partez. Foutez-nous la paix, tout simplement. Je parle pour les mauvaises personnes, je parle pas pour ceux d'habitude. Mais de toujours se prendre des critiques et tout, enfin. À un moment donné, j'ai 37 ans, je sais ce que j'ai à faire de ma vie. Je me suis toujours démerdée pour faire ma vie, j'ai jamais rien demandé à personne. Donc c'est pas à l'heure actuelle que je veux des conseils de qui que ce soit en fait. Voilà, je veux des conseils des personnes. Ma vie, elle est très bien comme elle est. J'aime ma vie, j'ai une super famille, des super loulous. Donc j'ai besoin de personne pour venir me donner conseils ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à venir me rejoindre, comme je vous ai dit, sur Facebook si vous l'avez. Mais bon, je suis bête. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est venu, mais en même temps, vous ne l'avez pas encore vu. Donc, bon, n'hésitez pas à venir à me rejoindre sur Facebook, sur Insta ou sur Vinted, peu importe. De toute façon, normalement, en description, je vous mets toujours mon mail, mon TikTok. J'y suis très rarement sur TikTok. Hein. La dernière fois, j'ai mis un TikTok, je crois que ça date. Voilà. Je voulais m'amuser au début, mais voilà. Bon, bref, vous pouvez venir voir quand même. Insta, Vinted. Il faudrait que je vous rajoute du coup la page Facebook. Il faudrait que je pense à ça. Ma page Facebook et mon groupe Facebook. Il faudrait que je les rajoute. Bon, on verra. Faut que j'y pense. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Un prochain vlog, demain c'est mardi. Bisous tout le monde.